Bintou est séropositive. Elle se rend chez le médecin pour une consultation. Celui-ci se renseigne sur son partenaire Seydou et se rend compte que ce dernier n'a jamais fait le test de dépistage du VIH, car il refuse de se rendre dans un centre de santé. Le médecin informe Bintou de l'importance de connaître son statut sérologique afin d'être pris en charge rapidement. Cela permettra à Seydou d'accéder à un traitement pour accroître son espérance de vie s'il est séropositif, ou de prendre les mesures nécessaires afin de rester séronégatif s'il n'est pas infecté. Le médecin propose alors à Bintou un autotest de dépistage du VIH que Seydou pourra effectuer chez lui en toute intimité. Il lui explique le fonctionnement et lui parle des supports explicatifs. Bintou rentre à la maison et parle à Seydou de son entretien avec le médecin. Elle lui montre l'autotest. Seydou est séduit par le fait de pouvoir l'effectuer en toute liberté. Il regarde alors la notice et découvre qu'il existe une vidéo explicative sur YouTube. Après visionnage, il décide d'effectuer le test. Il prend alors l'autotest, suit les instructions et se chronomètre. Le test est réactif. Après un temps de réflexion, Seydou appelle le 800 00 30 30, numéro anonyme, confidentiel et gratuit. Une assistante lui indique une structure de santé pour la confirmation du test et la prise en charge gratuite. Accompagné de Bintou, Seydou se rend alors immédiatement dans un centre médical adapté. Si vous aussi vous souhaitez vous procurer un autotest, appelez le numéro suivant, tous les jours de 8h à minuit. Atlas, savoir est une force.